Jean-François Chantaro, on vient d'écouter ses témoignages. Le modèle allemand, modèle de référence, mais ça reste un sport de combat à les écouter, on a l'impression. Et oui, mais chercher l'intérêt général, c'est compliqué. On est face à des acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts particuliers. Il faut parvenir à conjuguer tout ça. C'est très difficile. C'est pour ça que ça suppose une culture, des réflexes, un mode relationnel, du respect mutuel, de l'humilité, savoir qu'on peut détenir une part de la vérité. Bien sûr, chacun en détient. Mais qui peut prétendre détenir toute la vérité? Les Allemands, du coup? Mais bien sûr que non. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent ensemble. Si vous voulez trouver un meilleur niveau de vérité, un meilleur niveau d'intérêt général, vous devez organiser la recherche collective. C'est ce que je vous disais à l'instant, ce qu'il faudrait faire en France maintenant, si on essaie d'appliquer des éléments de modèle de ce qui peut marcher ailleurs dans la société française, qui n'est pas comme les autres. En France, on a affaire toujours à un système centralisé. Eh bien, ce système centralisé peut prendre une initiative qui consiste à instaurer de façon hebdomadaire un système de consultation nationale. On recueille tous les avis, toutes les informations, les doléances, toutes les pratiques. Oui, mais plus que des doléances, des informations. Hein. Et on recueille tout ça en provenance de tout le monde. On construit un agrégat synthétique, ordonné, de toutes ces contributions. On remet cet agrégat à toutes les collectivités territoriales, toutes les sections syndicales qui le souhaitent, toutes les entreprises qui le souhaitent. On leur remet également une carte des acteurs qui positionne les personnes sans les nommer, en restant bien sûr dans la garantie de l'anonymat, dans la diversité, pour révéler à tout le monde que non seulement il y a une diversité de faits, une diversité d'idées, une diversité d'options, de projets, mais il y a une diversité d'acteurs dans nos aspirations, dans nos vécus, dans nos pratiques. Nous sommes tous très différents. Et donc il faut remettre ça à chaque collectivité territoriale, à chaque entité, chaque association susceptible d'organiser un débat et leur dire maintenant vous organisez le débat et vous le déployez chez vous, vos comptes rendus, vous les remettez aux parlementaires de votre circonscription et lorsque les parlementaires reçoivent l'ensemble des comptes rendus, eh bien là ils sont armés pour aller débattre en prenant en charge un plus haut niveau de complexité, débattre avec les autres parlementaires. Et là le débat parlementaire peut s'ouvrir. Alors qu'aujourd'hui le débat parlementaire n'a pas vraiment lieu, c'est souvent un cirque à l'Assemblée nationale. Il peut avoir lieu dans des petites commissions, bien sûr, il y a des parlementaires de très bon niveau. Néanmoins, on n'assiste pas à un débat parlementaire de qualité dans la mesure où ce ne sont pas les parlementaires qui font la loi. Ceux qui font la loi, ce sont les acteurs qui sont à la tête des administrations centrales, à la tête des cabinets ministériels, qui préparent tout seul, et qui, une fois que le débat a eu lieu... Là, vous êtes plus ou moins en train de remettre en question la séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif. Mais qui n'a pas lieu. Au contraire, ce que je fais, c'est que je veux affirmer la nécessité de la séparation des pouvoirs. Et quand vous prenez l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on vous indique que cette séparation des pouvoirs est indispensable pour qu'une nation fonctionne. Elle n'a pas lieu en France. Quand vous prenez l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous constatez qu'on vous écrit, elle tient une phrase, que chaque citoyen a le droit de participer personnellement à l'élaboration de la loi. Ça n'a jamais eu lieu en France. Il faut organiser la participation des citoyens à l'élaboration de la loi dans un processus législatif et laisser l'exécutif exécuter la loi à sa façon. On parle beaucoup du modèle français, on a parlé un petit peu du modèle allemand, on va parler maintenant du modèle des pays nordiques, qu'on présente souvent comme étant un grand exemple. 74% de taux de syndicalisation pour la Finlande, par exemple, suivi de la Suède ou encore du Danemark. Ce sont des références à juste titre. Le système est très différent. C'est-à-dire, pourquoi les gens adhèrent à un syndicat? Parce que ce sont des syndicats de services. Vous voulez un système d'assurance, chômage, assurance santé complémentaire, c'est le syndicat qui organise ce principe-là. Mais c'est un peu comme si en France, on disait, il vous faut vous assurer dans une assurance santé complémentaire. C'est le cas, vous êtes obligé. Eh bien, vous avez des syndicats qui gèrent les instituts paritaires, comme Malakoff-Médéric, vous avez des organismes mutualistes qui gèrent, vous avez des organismes mutualistes qui gèrent avec l'ensemble de leurs mandants, et donc vous avez là une des possibilités de donner la parole à ce type d'acteurs. Sauf que on ne fait pas le lien, et même ces organismes-là ne font pas le lien avec l'action syndicale, parce que de toute façon, structurellement et juridiquement, elle est décorrélée. Autre exemple, quid de l'Espagne, de l'Italie ou encore de la Grèce qui a quand même connu des cures d'austérité terribles que la France n'a pas vraiment connues. Pourtant, on n'assiste pas à des pillages comme on a pu
en constater la semaine dernière sur les Champs-Élysées. Quel est le modèle du dialogue social, par exemple, en Grèce? Alors, pourquoi on assiste à ça en France? Parce qu'il nous reste encore une minute. Pourquoi on assiste à ça en France? Parce que vous avez, en France, un acteur, c'est pas une personne aujourd'hui, un acteur qui concentre tous les pouvoirs. Et quand un acteur concentre tous les pouvoirs, ça veut dire qu'il assume toute la responsabilité puisqu'il prend toutes les décisions.